Salut tout le monde! Eh ben merde alors. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai tout débranché, j'ai tout pété. Alors attendez. J'ai acheté une nouvelle multiprise. Est-ce que tu charges en fait? Comment ça se passe? Ah, on va tester ça, mais. Voilà. On va voir ça juste après, sinon je la changerai de prise. J'espère que vous allez bien bon dimanche. Excusez-moi, je suis complètement en retard. Complètement à la bourre. J'ai trop dormi. J'ai trop dormi. Oui, je sais que je suis en live. Merci. Merci Twitch. Je suis en live. Ouais, j'ai complètement trop dormi. Hier soir on a fait le concert. Et on est crevé. Donc bah, je suis là. Je demande pardon. Mais on va se lancer sans plus attendre, on va essayer de lancer le jeu, voir si la Switch stream, la Switch charge. Ça direct, déjà la caméra n'a pas planté, c'est beau. Hop. Non, mais alors, c'est bon, elle charge. Elle charge, c'est bon. Il m'a juste dit j'ai plus de batterie en commençant. En fait, rallume-toi. Ok, on va être parti. On avait terminé juste avant le boss du temple du feu qu'on va aller se faire. Je déplace ça et que je mette en plein écran. Un peu là. Et il faudra peut-être qu'on fasse un peu le plein avant d'aller le buter. Et voilà, on va couper la musique. Ouf. C'est chaotique, je suis désolé, ce début de live, c'est un peu chaotique. Je vais voir que tout vérifie, j'ai un peu modifié mon setup cette semaine et j'ai pas le temps de vérifier. Mais donc, du coup on va manger un bout. Est-ce que j'ai des trucs contre le. Je vais avoir des trucs contre l'obscurité là. Tout de suite, on change sur quelque chose de beaucoup moins joyeux en musique. C'est la violence de commencer directement par un boss un dimanche matin, là. Et un peu violent. Et j'irai. Déjà ça, et je me trompe les boutons. Elle est équipée avec quelque chose, elle est équipée avec rien, je crois. Ok, on va lui faire un petit boost de truc. Ça là, plus 27, bon ça. Bon allez, on va casser la gueule au boss. Je vais même pas regarder si le replay était correct. Et on est pas trop mal. On est bien. Allez. Casser la tronche au boss.
Ouais. Mais où est passée Dame Zelda? Mais... Ah. Regarde ça. C'est le Yusuron. C'est un monstre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme boss? On a toujours le... Le Tenya, Tenya de terre. Y'a rien du coup. C'est pas vrai. Dame Zelda est à l'intérieur de cette créature. Nitogoma. Allez Link, il faut qu'on la batte pour sauver la princesse. Salut Camondris, comment ça va? Je suis désolé pour le retard. Je suis vraiment désolé. Regarde un peu ces pattes qui poussent. Si tu te donnes un coup, ça va faire mal. Sois prudent. On va essayer de lui taper dans les pattes. Hop. Ok, il est. Oui, mais oui. Ouais, c'est ça, c'est. Hop là. Fais pas le fou. Ouais. Eh bien. C'est parti. Putain. Ses pattes. Elles ressemblent au rocher d'une avion d'argent. Voilà. Elle arrive. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Un truc qui s'est déconnecté. Arrêtez mon gravier. Ah. Alors j'ai pris un truc qui s'est déconnecté mais je ne sais pas quoi. Attendez, je vérifie si tout va bien, vous m'entendez bien. Vous me voyez bien. Vérifie la cam. La cam ça va. Je sais pas, pourquoi tu me dis qu'il y a un truc qui se déconnecte? Je ne sais pas. Le micro ça va. Je sais pas. Tu me dis qu'il y a un truc qui se déconnecte en USB, je sais pas ce que c'est. Bon, on est reparti. Fais attention. Alors. Voilà. On est mal. Voilà. Ok. Première partie, ça va. C'est la deuxième forme. Ah génial. Elle arrive par en haut. Fais attention. On est encerclé. Ok. Il faut pas rester là. C'est bon. Fais attention. Ça va encore exploser. Éloigne-toi. Ouais, je m'éloigne. Ok.
et sinon comment ça se passe? Ah, je sais. C'est parti. Oh putain. Attention. Alors on va essayer de comme ça. Allez. Allez. Tu vois-tu? Déplace ce con. Et qu'il est pas rapide hein. Allez. Il va toucher ? Ok. Jean-Michel ? Ouais. Ok, alors. Sur le plafond. Ouais. Attention. Allez, il manque. Voilà. Mon carré. Le moment matin avec du Vito Rock grillé. Bon, comment s'est passé ton samedi toi? J'ai commandé la Xbox, ça a été assez lunaire ma visite en magasin. Oula. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. All Access. All Access, et en fait je veux... Attends. Je vais passer sur la suite, je vais te raconter ça. Je me suis pointé en magasin. Tu vois, voilà, bonjour, je voudrais vous prendre une Xbox All Access. Alors déjà, elle commence avec... ouais, mais j'ai que le pack Diablo. Bon. Ouais, mais vous faites le All Access. Je sais pas ce que c'est. Bah, regardez, je prends mon téléphone, je regarde, je vais All Access au Canada. Vous êtes en partenariat avec votre boutique. Bon, je vais voir la manager. Et... Manager revient, me fait ouais mais il faut un financement, il faut telle carte. Non, c'est Xbox. Ah oui mais il faut que vous payiez la console et puis après pour le Game Pass c'est après. Oui non mais je vous parle pas du Game Pass, je vous parle du All Access en fait. Si c'est pour faire un financement, je vais pas payer la console maintenant et continuer à payer plus tard. Et la femme fait ouais bon ouais bon je sais pas, il faut que je vois et tout. Je fais écoutez, c'est quoi, vous allez voir sur internet, vous avez toutes les explications. Je suis parti. Ah ouais, fait. C'est un petit peu condescendant quand même. Je fais. Attends, c'est ton produit, t'es pas foutu de connaître ton produit que tu vends. Et en fait, je suis allé sur GameStop sur internet. J'ai fait la procédure, j'ai rempli le formulaire tout seul. Et ils vont me l'expédier.
Voilà. Peut-être tu veux bosser avec les mecs en boutique. Ouais, mais peut-être tu veux bosser avec les mecs en boutique, ils sont pas. En fait, ce truc, c'est pas grave s'ils connaissent pas, mais je leur ai montré le truc. Ils voulaient pas comprendre. Ils voulaient que je paye la console cash et que je prenne un abonnement après. Et. C'est bon, je vais pas m'emmerder à former leur vendeur en fait. Je me suis démerdé, ça m'a pris 5 minutes en ligne, j'ai fait mon truc et je l'ai fait solo. Et hier soir donc j'étais au concert de Steel Panther, alors je mettais ce magnifique t-shirt et c'était énorme, très 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 bon concert. Mais c'est pour ça que je suis claqué. Mais donc voilà, la console est commandée, j'attends de la recevoir, je lui ai fait sa place là, derrière l'écran, et puis on verra ça pour... jouer à la Xbox. On repasse de ce côté-là. On coupe la musique et on va pouvoir reprendre. Non, je ne peux pas manger de poisson. Cœur de cœur. Toi bien au niveau du son, il n'y a pas trop de pop sur ma voix ou quoi. Donc maintenant, les quatre, c'est quoi, c'est des gardiens. Oh. Attends, je vais au cinéma pour le premier Harry Potter. Sage, ouais. Yon, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. C'est encore cette voix? Alors, c'est toi qui nous parles depuis tout ce temps? Clairement, Donald Renew, je te vois, hein. Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Appelle-moi, grand tonton. Un guerrier Goron au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise le feu. Ta manière de combattre en utilisant ton corps comme une arme était remarquable. Ton corps comme une arme. Tu es bien mon descendant, et la fierté du peuple Goron. Ce monstre était la source de la roche qui a corrompu notre peuple. Il a été envoyé par le roi Démon en personne. Sa mission était de t'empêcher d'obtenir la pierre que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre, le démon? Oh là! Bien sûr. Il y a un peu de tout quand même. Ça n'a encore de sens pour toi. C'est justement de ça que j'aimerais te parler. T'apprendre la vie, tu vas voir. Qu'on appelle la guerre du son et de la destinée de notre peuple. Tout cela s'est produit dans un passé très lointain. Peu après l'établissement du royaume d'Hyrule sur ces terres, un être maléfique apparut, attaquant les innocents et prêt à tout pour détruire le royaume. C'était le roi démon. Tellement classe. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, et les 6 guerriers qui l'accompagnaient, se dressèrent contre lui. Pour nous aider à combattre le roi démon, Raoru nous remit les pierres occultes. Des trésors qui amplifiaient la puissance de leurs porteurs. Ouais. J'étais l'un d'entre eux. Armé de ma pierre occulte, je pris part au combat en tant que sage du feu. Mais nous, on s'est tous fait péter la gueule. Le roi démon était un monstre de puissance. Il était si robuste qu'il repoussait sans peine les coups les plus puissants, et sa force était sans égale. Le roi Raoru finit par comprendre qu'il nous était impossible de vaincre le roi démon. Il prit donc la décision de se sacrifier pour le sceller et mettre fin à la guerre. Maintenant on va partir sur le cinquième sage, si j'ai bien compris. C'était donc ça, la guerre du sang. Faut voir les cours d'histoire, hein, monsieur Gouron.
Quelque temps plus tard, l'un des six sages, celui du temps, me rendit une visite qui a décidé du destin des Gourons. Le sceau finira par se briser. Alors le roi démon reviendra à la vie. Le héros aura besoin de la puissance nécessaire pour lui faire face. Quoi, c'est un poisson, mon masque ? Le pouvoir du peuple Goron, celui de contrôler le feu. Je t'en prie, mets-le au service du chevalier Link. C'est à ce moment précis que tout s'est décidé. Vaincre le roi démon est notre plus grand désir. Je fais le serment qu'à l'heure de sa résurrection, un Goron s'éveillera à nouveau en tant que sage du feu. Les musiques sont vraiment cool, j'aimerais vraiment qu'ils sortent un vrai OST. À défaut d'avoir un DLC. À présent, vous savez tout sur la guerre du sceau et sur le destin de notre peuple. Mais c'était rapide. Grâce à vos efforts, le village Goron a pu être sauvé. Mais la résurrection du roi démon est proche. Yun, mon descendant, reçois en héritage ma pierre occulte et honore la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Fais le serment de combattre aux côtés du chevalier. Eh, c'est vibrant. Détends-toi la manette. Alors je dois combattre aux côtés de Link ? Ce serait ça ma destinée ? C'est vraiment à moi que vous voulez confier cette tâche. Vous êtes sûr ? C'est pas plus mal de ne pas avoir de DLC. Après, le DLC du premier était pas clairement accessoire. Et ça doit pas être une obligation. Je ne pardonnerai jamais. Je me suis assez comporté en enfant gâté. Je vais me battre, vous allez voir. C'est un choix. Moi, je le regrette parce que t'en veux toujours plus. Mais je pense qu'on a déjà pas mal de trucs à faire déjà là. DLC aurait été cool, mais de pas en avoir, c'est très bien aussi. Jolie ceinture. Je suis maintenant le sage du feu. Regarde, je vais te faire une démonstration. C'est ce que tu me fais depuis tout à l'heure. Ils ont pas d'âme avec leurs yeux blancs comme ça. Allez, tends-moi ton poing, Link. Ouais, c'est utile, mais moi j'en suis jamais servi. D'ailleurs, je l'ai jamais débloqué dans le tout. Je mettrai mes forces à ton service. Compte sur moi. Prépare-toi. Tu vas maintenant recevoir la preuve. C'est un gros point, ça. La tenue ne veut rien dire. Le pouce. Est-ce que c'est le doigt le plus fort, je sais pas. Oh mon dieu, il y a du Link un peu partout. Quelle horreur. Grâce à cette bague, peu importe où tu te trouves, mon pouvoir sera toujours avec toi. Bon, ça passera pas, juste un doigt à la limite, moi, mais même. Si je veux être ton digne compagnon d'armes, je dois devenir encore plus fort. Bien, rentrons au village. Chargement. Et on se rapproche gentiment. Oh, il faut le voir, hein.
Ah. Tu te sens pas, j'ai 1000 hein, follower. C'est un peu le plafond de verre que j'arrive pas à dépasser depuis toutes ces années. C'est fait. Ah, bien. Génial. J'ai pas le temps de regarder encore, mais... Je verrai pour... Je reprends encore mon air. Franchement, tu nous auras causé du monde, t'es vraiment... Les grandes pâmes, Monsieur Younes, s'il vous plaît. C'est pas grave, en tout cas. C'est vrai que j'ai causé du souci à tout le monde. Si seulement j'avais été plus prudent. On vous a fait confiance quand vous avez dit que vous alliez rendre toute la gloire au Yazgoron. Quand vous avez fondé Younesi, vous étiez héros du Yazgoron, vous voulez toujours aujourd'hui. Merci les petits gars. Link, je te dois virement un chardel. Grâce à toi, la Savoroche a disparu et le village grand a retrouvé le sourire. Mais si tu n'avais pas détruit ce masque, rien que d'y penser, j'en étais sûr froide. Et on se pose pas la question que Zelda était dans le truc, elle est pas dans le monstre, etc. Elle était pas fatiguée comme Zelda que le masque soit cassé. Et voilà. Et ben, en fin de compte, on n'a pas réussi à lui parler. Il s'est passé tout un tas de trucs bizarres. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que Dame Zelda est rentrée d'elle-même dans le monstre de la roche. Et après la bataille, elle avait complètement disparu. Dites, Monsieur Yun, ça serait pas possible en fait, Dame Zelda soit une méchante? Hein, comment ça? La Dame Zelda que vous et Link avez suivi, je crois qu'en fait c'est le monstre de roche qui s'était transformé. Hein? Dame Zelda, je pense que la personne de vénérable ancêtre s'appelait Sage du Temps. Elle lui a demandé d'aider le chevalier Link et après son apparence, Dame Zelda, ça fait aucun doute. Je me demande pourquoi elle était dans un passé le matin. Ce qui est sûr, c'est que Dame Zelda, qu'on a vu ici, est une fosse, c'est obligé. C'est bien accessible sur mon pic à 100. Oh, c'est cool, et t'as pas de... ça rampe pas et tout, c'est tout fluide. A l'aide de Younesi, je vais retourner chaque pierre autour du village et retrouver la trace de Dame Zelda. Même éloigné maintenant, toi et moi, on est liés. Compte sur moi. Donc tout ça fait plaisir à voir, mais on va encore déterrer des trucs bizarres. Hein. Pour l'instant, j'ai pas testé. C'est dans mon début, ouais. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Là, il faut que je me chope un câble RJ45. J'ai fait le test un peu de remote play avec la Play 5. Ça rame un peu, donc je vais essayer de brancher déjà ma PS4 sur ma box. Donc il faut que je trouve deux RJ45. Je les ai tous laissés en France. C'est malin. Mais le NAS pourrait être une bonne solution d'évolution, ouais, que ce soit pour la borne ou pour les autres trucs, ça peut être chouette quoi. C'est Yun. Oui. Pat Link, tu es aussi allé au village Pias, au domaine Zora et à Steguerido. Tu y as récolté pas mal d'informations en plus que ce que tu as découvert ici. Pourquoi tu n'aurais pas raconté tout ça à Dame Prua? Je suis sûr qu'elle t'attend avec impatience. Ah oui, parce que du coup j'ai fini la mission. Mais j'ai d'autres trucs à faire d'abord à la maison, je pense que ça va être pas une prioritaire. Bon. Les Gorons, c'est fini. J'aimerais bien faire aussi la mission... On va enlever...
Ouais, mais je voudrais bien aller chez aussi au dôme, chez les Cocorico. Pour trouver la fosse d'Amzella qui m'empêche d'accéder au site archéologique. Là, je suis là. Ah, c'est l'arbre Mojo. Chouette. Chouette, chouette, l'arbre Mojo. Ah, salut toi. Ça va, ok. Ah, pardon. Ouais. Elle veut acheter de l'ambre. J'en ai de l'ambre. Je t'en vends. Ça a un lien Zelda de Cocorico. Ok. Bon, je vais peut-être d'abord aller voir. De retourner au centre pour faire finir la mission et puis on va prendre de la hauteur. Salut papy, comment ça va? Bon dimanche à toi. Allez hop. C'est pas le domaine le plus cool à visiter, les domaines des Gourons, c'est, bah, je pense parce que c'est aussi aride. C'est pour les vieux, ouais. C'était histoire de me toucher, c'est ça? C'était juste histoire de me toucher, d'enlever un quart de cœur. Hop, un petit coffre. Je prends. Ok. Donc vous avez vu les rumeurs comme quoi Nintendo aurait présenté sa...
aurait présenté sa... sa Switch 2 à certains constructeurs pendant le pendant la Gamescom. Avec une version de Breath of the Wild améliorée. La Focus. Quoi la Focus? Ça serait le nom de code de la console? Autour de moi. Comme la Ford. D'accord, bon, je pense que c'est surtout un nom de code pour l'instant. Ok, allez, fritez-vous. Ouais. Spectateur. Bim. Complètement loupé. Ah ça j'avais pas vu ça qu'elle pouvait s'appeler comme ça. Voilà. T'es dans le cul. Après je pense que c'est un peu comme la Dolphine et tout et on... Est-ce qu'ils vont pas l'appeler la Switch 2 pour comment dire, pour éviter de perdre les gens tu vois. Peut-être l'appeler comme ça parce que... Alors je pense clairement qu'elle va être rétrocompatible. Et c'est pour ça qu'ils ont montré une version améliorée de... De Breath of the Wild. Mais... Là c'est pas... Vu le carton qu'ils ont eu avec la Switch et le flop qu'ils ont fait avec la Wii U. Ah, j'ai plus de place. Pas sûr. Pas sûr au moins. Mais regarde la Wii U. Regarde la Wii U, ça s'est pas vendu. Je pense qu'il faut juste pas qu'il se loupe sur le... Le concept. Ouais. Ok. Ok. Oui, mais alors là, s'il appelle Switch 2, et vu le carton qu'a fait la Switch,
Je sais pas, moi j'en fous, hein, mais bon, c'est toute manière que je serai un des pigeons qui la prendra. Ah bah au niveau de l'arbre mojo là. On est au niveau de l'arbre mojo. On va se mettre un petit repère ici. On va faire le truc de Prua et puis on va revenir. On va se mettre une balise de téléportation. Fée là, on va aller voir. J'ai pas fait aucune fée d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est cette petite lueur bleue là? Un champi. Un champi. Mais on les trouve où les musiciens? Le château est par là. Tu remarqueras que j'y vais à pied quand même au château. Oh, rouler d'à côté. Ok. Attends. Ah. C'est pas là qu'il y avait la fille des puits aussi. Ok. Mon chariot est superbe. Ok. Ah, ce serait pas eux? Alors, ok, accident. Ah bah lui, ok, c'est l'avioniste. Ok, faut que je répare. Sont portés pour Nazal jusqu'à là-bas, ok. Merci Flagada. Tiens, par terre, t'es là aussi. Je l'ai pas vu. Je suis un ninja. Ok. Il faut juste que je répare. Ok, alors.
il manque deux roues. Ça va pas marcher comme ça. Alors. Ok, une roue. Et deux roues. Et il leur faut un cheval. Par contre, j'ai vu un truc là. Ah, il y a lui là. Juste jeter un coup d'œil à ce monsieur. Pendant la lune rouge. Je me sorte mon cheval. Ok. Je crois qu'il y avait un cheval plus loin, donc sinon il y avait. Ah, pardon, la visite du chat. Et le chat. Alors. Qu'il est vilain. T'es où la bestiole? T'es là. Et toi le voyageur? Ne comptez pas te rendre dans cette grotte, j'espère. Tu risquerais d'être déçu, figure-toi. Il tend. Et c'est mon chat. Prends ton temps. C'est sans espoir. Oh mon prof Colkin. Devenir un Satori, une créature légendaire, c'est pas tout simple à apporter. Pas tout simplement à t'apporter, je crois. Allons, concentre-toi sur notre collection de monstres plutôt que de courir après les chimes. Le chat est devant. Je refuse qu'il tombe. Tu es devant, je peux pas voir l'écran, merci. Alors, je refuse qu'il tombe et je suis prêt à tout pour devenir la plus merveilleuse créature qui soit. Je serai un Satori. Alors ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses là? Ok, tu te poses là. Tout ce qui me manque à réussir, c'est des cristals d'Elusis. Rumeur était donc fondée, il y a un Elusis dans cette grotte et il brille du même éclat que Satori. Mais je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il s'accroche au mur et qu'il soit si agile. Si agile? Si agile. Pourquoi ne pas demander à quelqu'un de t'aider pour l'attraper dans ce cas? Après tout, tu pourrais monnayer tous ces trésors qui s'empilent dans ta roulotte contre un peu d'aide. Ah tiens, oui, bah oui, oui, j'ai entendu, oui. Allez. Allez, on commence direct. Et j'en ai quelques-uns. Ah cool. Il les mange. Ah, j'ai pas vu que c'était un serre-tête.
C'est creepy. Alors... Ok, j'ai fait la mission, ça c'est cool, bon, on va lui filer d'autres. Je vais aller chercher dans la grotte le reste. Ah oui, c'est barré. On va partir, j'espère qu'il a pas coupé son rêve sans trop de difficultés. Eh bien, il est temps pour moi de reprendre la route également. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Tu me renifles? Oui, c'est moi. Pas de patoune sur mon t-shirt neuf. Si, on a rallié mon frère. Ok. Il aura besoin. Non, pas de patoune, j'ai dit. Ah oui, c'est ça. Sois vexé. Alors, je garderai un œil sur la pérégrination de Coltine. Passe donc voir au village 2-0 si jamais tu le cherches. Merci, Baradé. Top pour moi d'y aller. Donc, il se barre. On va juste aller dans la grotte récupérer le cristal. Mais... Ouais, celle. Il y a un sanctuaire pas loin. Dans le puits. Est-ce que je l'ai déjà vidé ce puits là? Je pense hein. Ok. Encore le réflexe. Bon. Ah, j'étais pas allé dans ce... Ok. Non, on s'en fout. Et ouf, il vient par là. Ah oui, ma réparation. Putain.
Voilà, bon, déjà, on va faire ça. Voilà. Et... Alors. Ok. Hop. Voilà. Heureusement que je serais pas sur l'autoroute. Ah bah écoute, je m'en sors, t'as vu, ça marche hein. J'ai mis la bagnole sur le toit, j'ai changé la route, c'était bon. Ouais. Ça marche hein. Allez, on va voir la fée. Allez. Une cocotte. Et... Par contre, c'est tellement pas agréable de d'être à quatre pattes là. Le décolleté du plombier à l'air avec les camions qui te passent, ça, parce qu'ils rentrent pas les mecs hein. Hop là, nous y voilà. Bon cool, première fée. Ils ont fait comment elle s'appelle cette violoniste là. Ah, j'ai plus son nom. Oh oh oh. C'est RuPaul. Brushing. Yahoo! Yaya! Violoniste, violaine, ok. La grande fée est sortie! Ah oui! Elle est tout à fait divine. Bien joué, partner! Quand j'ai vu le bourgeon s'ouvrir, je suis venu. Hop, je suis venu. À tire d'elle, ok. Alors c'est elle la grande fée. Oh. Ah, cette mélodie est si belle que tu m'avais sortir de ma cachette. Mais la princesse Zelda a dû se tromper. Je ne vois rien que ce qu'elle m'avait annoncé. Elle a dit que des miasmes maléfiques et des nuées de monstres allaient fondre sur le monde. Alors je me suis caché. Maintenant que j'y pense, elle a emmené la princesse. Attends. Il a emmené la princesse, il y aura. Une très désagréable, il faisait nuit. Il n'est donc pas bien vu son visage. N'était peut-être pas elle en fait. Elle ressemblait à Dame Zelda. Elle ressemblait à Dame Zelda, mais c'était pas Dame Zelda. Comment est-ce possible?
Il y a bien plus de zones d'ombre dans cette histoire que je ne le pensais. Quoi qu'il en soit, le retour de la grande fée est tout de même une grande nouvelle. Je vais vite rédiger un article à ce sujet. Alors faisons les comptes. Nous avons fait la lumière sur les quatre rumeurs en rapport à la princesse Zelda. Voilà ta paix, c'est amplement mérité. Tu sais ce qu'on dit, petit à petit, un rubis violet. Petit à petit, un rubis violet ? Je suis pas sûr qu'on dit ça. Ah, et j'ai oublié. Voici une récompense de la part de Bourgette pour tes bons résultats. Alors, une épaulière batracien. Cette épaulière va manger le long de gants idéal pour les régions pluvieuses. C'est pour escalader. Ok. Et c'est le truc qui marche pas bien, ça. C'est une pièce d'équipement rare qui te permet de rester accroché aux parois sans glisser, même en temps de pluie. Et grâce à ça, si tu n'as pas d'aile, tu vas pouvoir étendre ton champ d'exploration, partenaire. Je vais sans plus tarder rapporter cette histoire à la rédaction. On devrait pouvoir en tirer un bon article. En vain. Maestro, je pensais que si la trompe s'était séparée, c'était parce que les autres avaient assez de mon violon. Mais bien sûr que non. Ton violon est magnifique. Ah, il est même capable d'émouvoir les grandes fées. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? T'en as marre? Tu veux faire un tour? Tu sais pas quoi faire? J'ai entendu dire que les autres grandes fées s'étaient elles aussi enfermées dans leur bourgeon. Allons leur montrer le moral avec ma musique, ou plutôt notre musique. Voilà, voilà une brillante idée. Les bris d'abattus reviennent. Merci de votre aide, nous avons conduit jusqu'ici, voyageurs. Nous sommes tous les deux pour l'instant, mais je pense que notre troupe sera bientôt de nouveau complet. Bien, Violaine, préparons-nous au départ. Hâtons-nous d'aller voir la grande fée encore recluse. Les grandes fées encore recluses. Ah, le chat veut se barrer. Mmh. Hop. Hop là. Tu avais l'air occupée, alors je vais tranquillement regagner ma fontaine. Mais j'ai entendu que vous parliez de redonner la morale à ma sœur, alors j'ai attendu un peu. Nous sommes quatre en tout. Mmh. J'ai entendu que mes sœurs s'étaient elles aussi réfugiées dans leur bourgeon. Ok, elle me l'a dit. Oh, ben, elle me l'a dit, ok. J'imagine que c'est le même modèle, à chaque fois il faut aller dans le relais d'à côté. Je me faisais du souci pour elle, mais après avoir entendu ces musiciens, je me sens un peu rassuré. Aussi, si tu trouves un bourgeon, adresse-lui la parole, je t'en prie. Mais au fait, puisque tu l'as, veux-tu que j'améliore tes vêtements? Oui, améliore mes vêtements. À l'heure actuelle, je peux rendre tes vêtements un peu plus résultants. Ça t'intéresse? Oui, vas-y. Ok. Ouais. Un peu le tout. On est passé en mode braseur. Huh?
Non. Oui. Oui, améliore. Ok. En plus, ça prend du blé, quoi. Au pire, je continuerai offline. Alors. Ouais, mais c'est pour ça, on va en profiter pour... Il faut des fragments d'étoiles pour ça. Ça peut rencontrer plus tard. C'est 2 heures. On va passer 2 heures à améliorer les fringues. Bon. Il y a un sanctuaire par là. Mais on dit qu'on allait... Qu'on allait dans la plaine. Alors, pop, pop, pop. Allez, on avance. Ça plutôt les copains pour rejoindre vos copains là. Et Korogu, on se fera des grosses sessions de Korogu, je pense. Là on va aller voir Prua, puis après je pense qu'on va faire du sang. Mais tu es sérieux là? Ça va pas, non? Allez. C'est pas loin. Traverse les douves. Ok. Euh...
On y est presque. On va sortir des runes pour avoir une meilleure visibilité. Mais si loin que ça. Si loin que ça. Oh. On va faire lui d'abord. On va tenir. Alors hop. Yes. Oh, il a pas bougé d'un iota. Allez, donne-moi bouffer. Allez, hop. Et un Ruby et à manger. J'en puis fume, jeune bout. Bon, sympa, mais. Allez, un de plus. Je sais que ça compte pas dans les 100%. Il faudrait que je me fasse un atelier bouffe aussi. Allez, hop. Cassos. J'ai bouffé toute mon énergie. Comme un nœud. Donc pour remonter un peu mes batteries aussi. T'inquiète pas, petit Renardo. J'ai assez pour augmenter. Oui. Vas-y. Oh bah oui. Et voilà. Une batterie en plus. Oh la violence. J'en ai 4. Je suis à la moitié. Alors, elle est où la Micheline? Dans l'étage. Allez là.
Alors, on va tout raconter, la tempête de neige, les piafs, la savouroche qui rendait les grands fous, la vase qui souillait pour indispensable le haut des auras, les Gerudo attaqués par les Gribdos et menacés par une brume des sables. Eh bien, tu as l'air d'avoir trimé pour cette enquête, je t'en félicite. Mais vu que tu as aperçu une silhouette ressemblant à Zelda au cœur de chaque crise, je peux m'empêcher de penser que toutes ces calamités ont rapport avec le cataclysme. Sans déconner. Mais moi aussi, je dois faire part d'une nouvelle importante. Encore une eau, j'en ai eu il y a longtemps. Qu'est-ce que c'est? Ah! Link, viens voir ça! Dépêche-toi! Ok. Il a disparu. Tu veux aussi, dis-moi, j'ai pas halluciné. C'est bien la princesse, pas vrai? Alors justement, je voulais te dire qu'il me semblait l'avoir aperçu quelqu'un qui ressemblait dans le château d'Hyrule, oui. J'ai encore quelques doutes, mais maintenant, ça ne fait plus un pli. Et moi qui pensais qu'elle avait quitté le château, eh bien, je m'étais bien planté. Elle était dedans, quoi. On va pas prendre un signe, il faut qu'on aille sauver la princesse Zelda. Mais tant que le château d'Hyrule flotte dans les airs, on ne peut pas l'atteindre, ni le soleil, ni moi. À part toi, je vois personne qui peut en... Ok. Ah. Je sais que je suis nommé de danger, mais ceux qui puissent m'adresser. Regarde un seul morceau. Ça, c'est là, d'accord. Donc il faut que j'aille au château. Alors. Monte au château. Elle va monter au château, on va voir si on chope Zelda. Comment j'étais monté la dernière fois déjà? Je dois pouvoir utiliser la tenue Zora pour monter. Alors on va utiliser notre nouvelle tenue de batracien. Ah, ça marche bien, ouais. Ça marche super bien. Bon. Fin de merde.
Je sais pas si je suis passé par là. Je sais pas si je suis nul là. Aïe. Ok. On va prendre une vraie arme, ça sera pas mal. Et là y'a rien. Là y'a un ébuli. Je prends. Je sais pas où je vais comme ça. Ok, vous sentez, vas-y. Je vais pas du tout dans la bonne direction hein, mais j'ai la concentration d'un chiot. Est-ce que je suis déjà pas venu là? J'ai dû venir par là non? J'ai dû venir par là. Ouais. Ouais, je pense que je suis déjà venu par là. Ok. Bon, on va remonter. On avait dit qu'on allait voir où était Zelda. Ah
brûle le cul. Allez. Alors, continue à monter. Bon. On est là. Comment je vais monter? Comment je vais monter? La grande salle. L'avantage est qu'il pleut plus. Oui, j'arrive à prendre assez de hauteur pour pouvoir choper une cascade là. Des pommes de pain. Voilà. Attends, je vais prendre la tenue. Zora. Allez, va tenir Zora. Ah shit. Yes. Non, j'ai pas le bouclier, viens. Non, non, je ne l'ai pas. Link. Link, ok. Link. Je t'attends. Viens à moi. Viens me rejoindre. Ah. Est-ce que je... Est-ce qu'il faut que je le passe, ça? Faut que je le fasse.
Là, je peux mettre une balise. Où sont les balises? Elles sont où, mes balises? Ouais. J'en ai une là que je peux récupérer. J'en ai une là. Non, non, non! Non, 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 non! Et merde! Oups! Je m'ai trompé. Ah putain. Ouais. Petit saut, un peu loin. Rendre ses portes, les gars. Ça va, ça me rassure. Tu l'as fait ça, aller friter, aller voir Zelda comme ça ou au château? Avec une pause. Ouais. Oh, je suis quand même pas mal full. Et au château. Et au château. Ok. Parce qu'elle était un peu trop accueillante. Viens, allez, viens me rejoindre. Yeah, viens, on est bien, 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 bien. J'aurais pu faire ça dès le départ en fait, pour me téléporter et me faire chier à grimper. Tu sais m'indiquer où est le passage secret pour le bouclier Ilien après? Il reste une demi-heure de live. À peu près? Ok. Oui. C'est par là. Tour. Coffre.
plutôt prends. Hein. Placé. Ah. Et puis là. Ok. Ils sont pas... Génial, on s'en fout. Et elle est où Jean-Michel? Ok. Ok. Alors. Hey, où? Alors. Oh.
Allez. Oh merde! Bah, ils veulent toujours, je crois. Ah, il est là? Ah, il est là. Oula. Ok. C'est fini. Oh. Alors, elle est où? Elle est là-bas. Ah, attends. T'as écrit une électricité. Ouais, pas du fou. Ouais, on va tout faire. Ah. Allez, donnez-moi les cotes. À l'étage. On va mettre un petit coup de taser à eux. Voilà, on va aller tous les faire descendre. Voilà. Strike. Un peu puissant.
Ah, ok. Allez. Allez, frittez-vous ensemble. Je suis occupé. Je peux pas avoir l'étage ? Alors si je descends par là, non. Eh ben là voilà. Hop, on mange un bout. Je sais pas pourquoi j'ai fou que je... Non, ça servait à rien. Ok. Est-ce qu'on la voit ou est-ce qu'elle est plus haute? Je descends. Au moins 3. Ok, j'y suis moins 3. C'est un bordel là. Je vois la caméra qui voit plus rien.
Ouais, c'est marrant que j'ai pas besoin de toi, toi. Alors, elle est au même étage. Là il est entré. Ok. Là. Je descende. Ouais, ça. Oh putain. Par contre, je vais changer d'arc parce que j'ai pas envie de bouffer cet arc directement. J'ai craché le truc. Bon, on va y courir combien de temps après, je me chine. Ça y est, c'est la dernière fois. Ok. Viens à moi. Je t'attends. Oui, mais ce que je fais moi depuis tout à l'heure. Hein. De garde royale. Pas non plus. Bon, allez où? Allez, tout en haut, génial. Bien. Hup.
Alors. C'est bon, ça sent le corps au bout là-bas. Un caillou tout seul comme ça. Ouais. Voilà. C'était beau. Est-ce que je suis au bon étage? Oui, c'est bon. Droit devant. Et là, je vais me choper encore un boss. Dans une arène, forcément. Ouais. Alors. Link. Te voilà enfin. Je t'attendais. Je t'attendais. Tiens, regarde. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai conduit jusqu'ici. Ah, ok. Ouais. C'est beau, n'est-ce pas? Le château d'Hyrule, dans toute sa gloire passée. Que de souvenirs. Nous y avons vécu tant de choses, toi et moi. Grave chaque détail de cette vision dans ton cœur. Elle ne te quittera plus jamais. Je sais que tu emporteras dans la mort. Holy shit. Le chevalier comme Miasme ne sont pas parvenus à abattre et qui massacrent mes serviteurs les uns après les autres. Comment as-tu fait? Par quel prodige as-tu réussi à survivre à mon attaque? Serait-ce ce bras droit ridicule que tu arbores désormais? Celui-là de bravo. Peu importe. Tu n'auras pas la chance de m'échapper une seconde fois. J'étais pas prêt. Je t'ai mené où je le souhaitais, en empruntant les traits de cette jeune fille. Ma petite marionnette t'observait où que tu ailles. Mais ces faux semblants ne seront plus nécessaires désormais. Oh putain. Avance, fruit de ma chair, né de mon sang. Va et prends sa vie. Alors. C'est gentil. Oh putain, en plus ils sont 14. Ah, forcément. J'ai pas une arme qui fait... Et là. Allez. Allez, encore un. Ils sont sacapés le truc. Oh, sabre miasmique, c'est bon ça. Ok. Allez, première partie.
Oh putain. Attends, les armes sont super, je pense récupérer une marque énigmique. Ah ouais. Oh putain. Oh putain, en plus. Ok. Allez là. Merde. Ah. Un massue miasmique. Lance miasmique, ok. Oula. Ah, attends, peut-être virer des armes dégueulasses. Ok, abattu. Ça va, il faisait plus peur que de mal. Tu n'es pas un simple réceptacle du pouvoir de Raoru. Je t'avais mal jugé. Je vais donc te donner la mort que tu mérites. Non. Tout va bien, Link, on est là. Ah. Les porteurs des pierres occultes. Qui es-tu, espèce d'horreur? Méchant. Ainsi vous ne me reconnaissez pas, intéressant. Vos pierres ne vous ont donc pas transmis les souvenirs venus de l'âge des dieux. Je m'appelle Ganondorf. Les batailles forts de vos ancêtres pour me retenir prisonnier n'ont fait que retarder l'inévitable. Ouvrez grand vos yeux, voyez, admirez le monde de ténèbres qui fuit et qui renaîtra bientôt avec mon pouvoir. Sourire. Cheveux. Montrez-vous mes fidèles serviteurs. Non. Décevez le pouvoir qui vous a été octroyé. Mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule, et quiconque se ralliera à sa cause. On sent pas son cheval. Ne laissez aucun survivant. Ça va? Patience. Je retrouverai bientôt mon pouvoir.
l'espoir d'antan. Et quand ce jour viendra, vos vies seront fauchées. Vous serez englouti dans un... La synchro labiale n'est pas ouf là non plus. Hein. Alors le roi démon dont parlait mon ancêtre, c'était lui ? Ce qu'il nous a montré, ça s'est vraiment produit ? Oui, ça ne fait aucun doute. C'est bien le roi démon, celui qui faillit détruire le monde autrefois. Combien le temps a changé ? S'il est de retour, la situation est grave. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible une poisse pareille ! Oh, on est fichu ! Pas encore. Tant qu'il n'aura pas retrouvé toutes ses forces, il est vulnérable. Et je doute qu'il nous aurait laissé vivre s'il avait pu nous tuer. Pour l'instant, retournons au fort de Guay. Nous y établirons un plan d'action. Toi aussi, Link. Ton aide sera la bienvenue. Ok. Avec des arcs, c'est plein. Et un quart de campus. Ça fait plaisir. Et oui, taquet d'armes. Alors. Que je vais virer. Ça va bien, Smic. Faut combien les arcs miasmiques là? 48? Ouais, 48. Celui-là, je peux également le virer. Ok. Ok, j'ai fait le plein. Ah, j'ai un coffre ou quoi ? Alors tu m'as dit, tu m'as envoyé un plan sur Discord, on va faire le... tu as juste le bouclier et puis Et puis après on va arrêter là. Ah oui, bonne idée. Bonne idée. Ha
Ok, ça s'est amalgamé. Ok, et on va amalgamer. Ok, alors tu m'as fait un plan. Quartiers principaux. Bibliothèque. Ok. Je vais par là. Je remonte. Ok. Je suis exactement à l'endroit que tu m'as dit. Attends, je vais mettre une balise là. Pas du tout. Ah si, pourtant. Quartier principaux. Bibliothèque. Là, tu m'as la... Mais là, tu m'as mis la balise tampon là. Ah, à moins que ça soit la flèche. Ok. Pardon, excuse-moi. Donc c'est à ce niveau-là. Le rempart. Je crois que j'ai trouvé l'entrée. Ok.
chercher dans la bibliothèque. Ok, donc c'est... Ok, remonte et recommence. Et j'ai plus la balise. J'ai plus la balise. Téléporter là, on va reprendre un truc. Ouais, je zoome sur la carte. Ok, faut que j'aille là-dessous. Bah c'était là l'entrée de la bibliothèque, là j'y étais. Ok, d'accord. Bah, attends, on va se re-téléporter. On va se... Et on va se remettre un coup de canon. Ok. Ouais. J'ai oublié de la remettre en fait. Là. Okay.
Bon. Là, je suis sur le chemin du rempart. De ce côté-là ? Attends, il y a un coffre là. Direction. Alors attends. Là je suis un peu haut. Où je me mette là plutôt? Carrément parti trop loin. Alors, back la bibliothèque. Là, on a la bibliothèque. La balise là. Il n'y a pas plus bas que la bibliothèque. Il y a l'entrée de la bibliothèque. Un chat qui fait rentrer. Tu veux rentrer? Est-ce que tu t'es fait engueuler par ta mère, toi? Attends, basse. On va prendre un peu de hauteur et on va planer. Après c'est plus sur l'île quoi. C'est là. Sur la bibliothèque, il n'y a plus rien. Ah celui-là. Donc là. À ma droite.
Là ? On va vers la marque dans ton plan, donc à gauche. Voilà donc. Je suis trop haut. Ah ah, j'ai trouvé une entrée de grotte. Yes, merci. Yes. Qu'il y aura un combat. Oh ouais, 90. Ah bah c'était me sous-estimer. On va virer celui-là. Ok. Ok, alors c'est l'entrée du... Ah bah c'est l'entrée du port. Il y a une entrée vers le nord là. Ok, bon on va couper là. Regarde, on verra la semaine prochaine. Oui, oui, tu me connais bien. Si on visitait un peu, ben, on ira faire l'arbre mojo, on va retourner, retourner au fort et faire l'arbre mojo. On a un superbe bouclier. Grâce à toi. Mais qu'il est beau. Avec ma tenue qui veut rien dire, attends, on va mettre une tenue un peu correcte. Un training. Voilà. On va ressembler à peu près à quelque chose. Alors. 3000 rubis. Ben on va éviter de le porter. Hein. On le gardera pour le boss. Voilà, on va l'économiser, ce joli bouclier. Ouais, je suis à l'intérieur. Je suis caché dans un goron. Allez, on va se regarder. On va repasser là-dessus. Bon, c'était cool, on a passé une bonne matinée ensemble. Encore une, excusez-moi pour le retard. On va lancer un petit raid si quelqu'un est en ligne. On va regarder un peu qui est en train de... personne n'est en train de arriver. Chez qui on pourrait aller? Oui, oui, tu m'avais raconté, ouais. Il y a le Red Bull qui est sur Pikmin 4. Enfin, sinon, t'as quelqu'un à vous conseiller à les raider ou... Il est là. Mmh.
Tu es pas encore. Eh oui, tu es pas là, oui. Bah écoute, à la prochaine fois, sinon je te. Donc quoi, lui, sur le Pikmin 4. Ouh, j'aime pas son interface. Je vais voir, sympa. Et puis il est même pas sur. Il est même pas sur. Ah oui, il est en train de. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Dégueulasse. Alors. Tu vas essayer d'être là vers 20h, 20h30. Et là, il est 19h. Ouais, c'est un peu tôt. Bah, c'est pas grave, écoute. Sinon, on va voir si quelqu'un est en live. Une petite chaîne. 16, 16, 10. Starfield, on va voir sur le rétro. J'ai un français, ouais. Bah lui il est à 5 spectateurs. Je garde pas mal. Attends, on joue quoi? Speedrun. Ah, des geeks sur du. Coop, bon. Non, bah écoute, il y a personne. Personne qui a l'air bien ouf, à moins que t'aies un conseil, mais sinon. Sinon, ça n'a pas l'air à. Pas l'air dingue dingue. Bon bah tant pis, on va pas raider, on s'arrête là, on se retrouve tout à l'heure, et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. On se met un petit coup et à plus tard, et puis au plus tard à vendredi prochain. Ciao les copains. Moi quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette, ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais?